Hey! Alors, je voulais vous remercier pour tous ces putains de concerts que vous nous avez donnés. C'était beau. C'était magnifique. Je sais pas quoi dire. Et 20 ans d'existence! 20 ans! Certes, moi, ça fait pas 20 ans que je vous connais. Mais peu importe, ça fasse 15, 20, 2 mois. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Le principal, c'est d'être là avec vous, de vous suivre, de vous écouter. Et d'écouter les messages que vous voulez nous faire passer. Et rien d'autre, quoi. Juste être là tous ensemble. Et c'est ça qui est beau. Alors un énorme merci. Et peu importe si vous revenez dans 20 ans, si vous revenez dans 50 ans, on sera encore là. Toujours là à vous écouter, à vous supporter. Merci avec mes merci pour tout. Merci Acmé de m'avoir fait vibrer pendant tant d'années. Merci pour vos titres qui ont tous pris un sens plus ou moins important dans ma vie. Grâce à vous, j'ai réussi à m'ouvrir un peu plus aux gens, parcouru des kilomètres, vu du pays, du sud au nord jusqu'en Belgique. Affronté des galères, mais chaque concert vécu me donnait toujours un immense sourire et la même émotion. J'ai pu rencontrer de super gens tout aussi fans, vrais et sincères. On en a même créé une fanspace. Je ne vous oublierai jamais. Salut Acmé, un petit message pour te dire au revoir. Même si c'est pas très facile de dire au revoir à quelqu'un qu'on aime. Même si j'étais pas là au tout début, si j'ai pris l'aventure en cours de route, j'ai quand même pris une sacrée claque en te découvrant et c'est vraiment peu de choses de dire que je suis devenue très fan. Alors, je t'envoie plein de merci pour toutes ces aventures. Pour ce talent de fou furieux, pour tous ces lives de folie, pour votre générosité sur scène, en dehors de la scène, pour cette gentillesse, cette disponibilité, pour tous les gens que j'ai rencontrés grâce à toi. Je continuerai à vous suivre, chacun de votre côté, bien sûr. Et je vous dis encore une fois au revoir. Prenez soin de vous et surtout bon vent avec mes. Coucou à vous, voici, je voulais vous adresser quelques mots, une partie en tout cas de ce que j'aimerais vous dire. Donc simplement, je voulais vous dire merci. Merci pour tous ces sublimes albums et la musique et bien sûr les paroles. Merci pour tous ces concerts et les belles rencontres que ça a engendrées. Merci également pour tous ces hurlements et ces extinctions de voix. Merci pour les mots aux abdos et les mots mollets. Merci pour tous les rires et pour toutes les larmes. Merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir existé. Merci pour tout. Vous allez manquer. Merci. Hey, c'est moi, Vénus. Oui, j'ai piqué ce magnifique panneau sur le parking du Leclerc, du Hellfest, oui. Bon, maintenant que c'est dit, voilà, on peut passer à autre chose. Je voulais vous remercier pour toutes ces années, ces magnifiques morceaux qui m'ont aidé à passer plein de trucs dans ma vie. Pour tous les souvenirs, ça, les cartes bleues dans mon vinyle, l'avion en retard, raté, etc. Toute la route, toutes les rencontres, c'est grâce à vous, à votre musique, à vos textes. Pour nous, aujourd'hui, c'est compliqué de vous dire bonne route, mais on vous le dit quand même. Que tout ce que vous voulez réaliser par la suite vous soit heureux. Et on sera là, peu importe quand vous aurez besoin de ce public. Je vous aime, vous allez nous manquer. Et à bientôt. Salut Acmé, ça fait 12 ans que je vous suis maintenant. Je voulais simplement vous remercier pour tout ce que vous avez fait dans votre musique, dans votre façon d'être. J'ai l'impression que vous avez toujours eu des mots qui étaient là pour moi, pareil pour la musique. Je vous ai suivi assidûment, j'ai toujours adoré ce que vous faisiez, ce que vous faites d'ailleurs. Et voilà, j'aimerais simplement vous souhaiter une bonne continuation, quelles que soient les choses que vous fassiez, et que vous êtes des gens très très bien.
Voilà, merci pour tout. Merci Acmé et bonne route à tous. Salut la famille, bah voilà, hein, c'est la dernière, c'est super dur pour tout le monde. Nous on avait envie de faire cette petite vidéo pour vous prouver à quel point on vous aime fort. Vous êtes arrivé dans nos vies au moment voilà, où on en avait le plus besoin. On vous suit depuis à peu près 3 ans, hein, ça fait pas très longtemps. Donc voilà, on va pas se mentir, vous avez vraiment vraiment aidé par votre musique, par votre partage, vous avez appris vraiment le sens de ce mot-là. Je suis très ému de faire cette vidéo avec ma famille. C'est dur, pour moi c'est dur, et voilà. Et une chose qui est sûre, c'est qu'on ne vous oubliera pas. Ça c'est une certitude. Vous avez vraiment fait énormément, énormément. Restez comme vous êtes. Ne changez jamais. Et voilà, et surtout n'oubliez pas. Merci à vous, on vous aime fort. Salut Acmé, petite vidéo pour fêter ou faire un dernier hommage, ou je sais pas trop comment on dit ça, pour votre arrêt, si on peut dire ça. Voilà, juste petit témoignage pour vous dire que je vous suis depuis le début des années 2000, que je vous ai toujours énormément kiffé et que vous m'avez fait un bien fou dans toute ma vie d'ado et dans toute ma vie de jeune adulte d'aujourd'hui. Et vous dire que je vous ai connu dans un concert, dans un coin pourri à Saint-Géniès-de-Malgoirès en 2004 ou quelque chose comme ça, je crois, à l'époque dans le sud de la France. La sono était à chier, c'était une catastrophe, mais vous étiez juste incroyable et c'est comme ça que je vous ai découvert et ensuite que je vous ai suivi. Aujourd'hui, je suis super triste que vous arrêtiez, mais je pense que tout le monde va vous dire un petit peu la même chose, sinon on ne ferait pas de vidéo de ce style. Je serai là le 4 octobre pour fêter ça avec vous et j'ai vraiment hâte de vous revoir, même si ce sera la dernière fois, en tout cas dans ce contexte-là. Je voulais vous dire aussi que bah, je suis super heureuse pour vous si vous avez d'autres projets aujourd'hui, parce que je me doute que si vous arrêtez, c'est que vous avez mille autres choses en tête et dans votre vie, et ça c'est super cool pour vous. En tout cas, merci de m'avoir accompagnée, de m'avoir bercée, de m'avoir consolée sans le savoir. Bonne continuation à vous. Salut. Juste un petit mot pour vous dire que voilà, vous m'avez conseillé pendant plus de 20 ans. 20 ans c'est long, vous avez traversé des époques avec moi. J'étais tout jeune à l'époque, là, voilà, j'ai bien grandi avec vous. Voilà, vous êtes vraiment des personnes extraordinaires. On ne peut pas vous oublier, c'est pas possible. Maintenant, voilà, on va profiter ensemble de ces quelques moments qui nous restent à passer. Et puis, de toute façon, on ne se lâche pas, et vous êtes vraiment tous uniques. De toute façon, on vit. On est une famille maintenant. Donc on a vécu bien ensemble, on a vécu moins bien ensemble, puis voilà. Maintenant on sait qu'on s'aime tous. Allez, bisous les copains.